Bonsoir, bienvenue pour le programme News Extra. Nous ici à Stove, par exemple, capable voir derrière moi lagon à Stove. Nous ici à Stove aujourd'hui à cause IDC, il invite trois membres de l'association Preserve Seychelles, et l'association qui fait former pour vous venir voir un petit peu le développement qui peut arriver à Stove et Assomption pour vous même. Preserve Seychelles, c'est l'association qui fait former un petit peu plus qui dès mon passé et insister qu'ils ont fait campagne folle là. Il sait qu'il n'a pas aucune base militaire qui a construit l'Assomption par un militaire indien. Et pour assurer qu'il s'apposait pour faire base militaire au Sazil pour à présent pas matérialiser, malgré qu'ils ont entendu contrairement de médias indiens, président Danny Faure, en collaboration avec IDC, il invite trois membres à l'association pour visiter Assomption pour voir pour eux-mêmes. Ça tient visite des sous, coup de premier sous, aussi visite à Stove. Ça trois dimanche, une premièrement visite à Stove, à cause tout dernièrement, une aussi en causé, qui, au lieu d'Assomption, base militaire, type à prison fait à Stove. Là, c'est une connaissance, voire un bon développement qu'il fait et qui peut faire l'eau s'asile. Et une facilité qui a des signes fait ici l'Ozil Asto, puis sa runway qui est capable de voir derrière moi. Un runway qui coûte à peu près 18 millions de roupies. Ça, 18 millions de roupies, il y a un clé pour payer travailleurs, pour faire sa runway et aussi pour transporter matériaux sortis de Mahé. Et ça, 18 millions de roupies, il est financé par IDC lui-même. L'autre endroit coûte ça 3 mois de visiter l'Asto et l'installation militaire de l'Ozil. Ça, il y a une facilité qui servit par Cosgard Sicile. Là, c'est une connaissance cause avec bon soldat qui est là pour qu'on plus le quoi sa l'installation et qui moyen il gagne servi. L'Oastov, c'est une aussi connaissance pour visiter cimetière que bonne victime naufrage et bateau norvégien inenterré. Un incident qui est arrivé le 10 juillet 1929 pendant un mauvais temps les bateaux type passe dans cet endroit. Sa bonne visiteur est resté et dormi à Stove sa jour pour autres à l'Assomption son lendemain. Avant qu'ils aient fait la route pour Assomption, puis l'autre passe par la Oastov et fait bien les tours pour bonne visiter capable de gagner sens pour voir bonne grandeur et la beauté de sa île. Un petit peu plus dans Sid, il fait pareil pour Cosmolido. Et plus tard, ils savent qu'il y a avion qui a posé Assomption, bonne visiter est aussi capable d'apprécier et vivre sa île à partir en l'air. En arrivant à Assomption, bonne qui tient un petit peu plus fit pour marcher en bas sa petit soleil bien piquant, qui marche jusqu'à côté de la case pour staff IDC et Coast Guard y était. Et bonne qui pas trop capable si porte sa soleil, qui rôde et moyen transportation. Premier endroit qui bonne membre Preserve Seychelles qui visite, qui côté l'installation militaire qui située l'autre bout de l'île, ça est plutôt Elima qui amasse bonne information et envoie lui côté l'autre bout de l'île, côté y en a l'autre l'installation Coast Guard, côté bon soldat y basé. N'a pas aucun soldat qui reste côté sans une facilité. C'est ça une facilité qui est un bon soldat qui stationné et c'est à partir là qui bonne information est gagné ramassé et gagné transmettre avec Maï. Bonne visite a aussi un sens pour aller bon les autres bout d'Assomption pour visiter et pour voir pour eux même bonne quelque chose qui est dans l'asile. Sa trois membres Preserve Seychelles, il dit qu'ils sont satisfaits avec la visite qu'ils ont fait l'osa des îles. Physiquement, n'a pas aucune infrastructure qui nous noie qui gagne faire. Non, c'est ça des major concern qui nous en a c'est il y en a sa bonne installation radar et tracking station qui en a là. Tout le monde sait ce que je suis content de venir. Mais ce n'est pas possible pour mettre 95 000 personnes pour amener ici. Alors, nous, bonnes membres de Preserve Seychelles, nous venons pour nous regarder exactement ce qui peut arriver dans les îles Seychelles, pour nous capables de retourner pour nous dire que c'est là qui peut arriver. Et nous n'avons aucune grande construction qui nous a associé avec une base militaire ou une construction militaire, mais nous avons trois installations. Qui nous a pour dire bonne installation militaire et nous avons une réponse qui s'est là pour un purpose pour monitorer le trafic qui passait pour au Brésil. IDC dit nous pour dire ça est important à cause d'un bon gros tankers qui passait qui amène de l'huile pour possibilité si y a un problème nous avons gagné un early warning system, ok. Et nous connaissons aussi pour dire Assomption il presque dans la guerre Mozambique Channel, ok. Et l'installation of that nature et ça l'information qui peut amasser
radio wave avec présence ban tankers de channel, OK? Il y a quatre téléformations là. Et normal si l'autorité sociale décide il partage ça avec l'autorité un autre pays qui ont en ban l'accord avec. Mais nous qui nous besoin faire ressortir, OK? Qui ça il pas venir raison après pour nous voir qui il y en a ban la porte qui gagne ouvert pour ban les autres du monde venir, venir stalls autres ici. Nous ne parlons aucune base internationale. À cause de demain, si l'un qui est au courant dans le forefront, ça qui nous amène nous là aujourd'hui, c'est à cause de ton copain qui insiste. Autant dire en ville de ton ambassadeur qui dit, de ton copain qui insiste, qui ça, il on. Et nous, nous pouvons insister, comment c'est ces lois, comment nos patriotes, qui nous nous parlons. OK, aujourd'hui nous avons des trois soldats sur ces lois, n'a pas de problème avec ça. OK? À cause demain, si l'un a un problème avec la Chine, il next door, dit le problème là-bas. À cause si problème arrive ici, crois-moi, nous commençons ces lois qui pour masser pour casser. Question qui beaucoup est demandée, il y a cause qui compte même qui président Danny Ford il a annoncé qu'il pourra pas aucune base militaire qui pourrait construire l'assomption avec gouvernement indien, que l'association Preserve Seychelles est encore méfiant l'assassiner. Président Ford indien quand il quelque chose qui in go back on his words. Un exemple classique qui les des press conférences, tu parles en visite dans l'Inde, nous tu demandes sa question et tu dis en tant qu'il concerné. Ça a fait base militaire ou assomption, il a tiré l'eau la table. Et il n'a pas discuté ça encore dans l'aile. Mais malheureusement, là, il arrive là-bas, il a discuté. Et il y en a sa doutance là. Et ça que nous pouvons faire aujourd'hui, une fois pour aider M. Ford, dans le sens que nous pouvons faire l'exercice de la transparence. Et là, nous pouvons faire un exercice de la transparence là. It can only be a good thing for everybody. Pour nous, Preserve Seychelles, pour Mr. Ford et pour tous les autres du monde de Seychelles. Preserve Seychelles dit qu'il s'est bon membre du comité exécutif de l'association qui ne choisit sa trois membres pour représenter autres lors sa visite. À part sa trois membres Preserve Seychelles, tu es aussi notre chairman board, chef exécutif et manager communication et relations publiques IDC et aussi médias. Ouais, moi, Preserve Seychelles, il a choisi à cause tout récemment, c'était principalement les autres qui ont fait ressortir, qui ont dit les autres les allosés pour les vérifier eux-mêmes, tandis que quelquefois, bon, les autres avant, les autres ont fait ressortir qui tiennent une base, pour gagner fait, pas pour gagner fait, pour gagner fait, tiennent des sangs indiens ici, tandis que Preserve Seychelles, qui sortit et qui dit nous les là-bas et si nécessaire, nous propres façons par là-bas, nous les vérifier. Et là, le gouvernement qui step in et le gouvernement qui demande à IDC si nous tu vas apprécier si IDC qui a fait le strict possible pour une fois pour tout mettre fin à sa bonne propagande. Je crois qu'on est capable de put this matter to rest par IDC. Je crois qu'IDC est tout à fait transparent. Il donne toute possibilité à la presse comment va déléguer Preserve Seychelles pour visiter n'importe quoi, demander n'importe qui question. Et pareil, nous tous nous voir que la banalégation, si nous avons fait, il n'a pas existé et il faut. Okay? Et il faut espérer que désormais, la prochaine fois, il y en a des rumeurs, des banalégations, etc. Nous n'avons pas de demandes de questions et nous allons vous aider à passer à la raison pour prouver quelque chose à chaque fois. Tout le monde va sortir ici satisfait. Il y a une win-win situation pour tout le monde. Mais plus important, il y a une win-win situation pour la population CCWA qui finalement doit avoir connu, once and for all, qui est-ce qui veut et qui est-ce qui va veut. Laisse sa visite, tu peux planifier à l'issue de faire ressortir qui sa visite pour coûter ça l'accompagner environ 500 000 roupies. Mais après ça, sa cifre est une révisée. C'est IDC qui finance sa visite à l'Ossa des îles. Well, un trip avion pour venir ici à Assomption, à Sauve Assomption, il coûte entre 250 à 300 000 roupies, un trip. Et nous-mêmes, nous faisons un trip tous les 6 semaines, 8 semaines, on a nos management, on a nos staff qui montent et qui descendent. Et là, nous faisons un offer, nous disons nous sommes capables de faire un ou des sites available pour le membre Preserve Seychelles pour une visite à l'endroit.
Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais après, tu as une interview à la télévision avec mon frère Preserve Seychelles. Et ils ont dit comme quoi qu'ils incitent des sites pas assez. Et qu'ils ont dit passent plus les temps. À cause de nous, par exemple, les gens viennent ici à Assomption. Par exemple, moi, je viens un beau matin, moi, je viens à Assomption, moi, je passe son beau matin ici, son après-midi, moi, la sauve, moi, je rentre, moi, à soir. Et ils ont fait une indication qu'ils allaient temps pas t'y passer. Donc, là, nous avons demandé pour faire ça. Moi, je dis, dans ce cas, probablement, nous avons besoin de faire des flights. Un jour, un demain ou bien un de trois jours. Donc, il y avait à peu près 500 000. Mais, en effet, heureusement, nous avons fait lire avec un seul flight. À cause de nous, nous avons gardé l'avion avec nous, l'eau sauve. So the cost will be less, entre 250 à 300 000. Et mais moi, tout le monde est satisfait with the outcome. À part d'Astov et Assomption, il y a aussi une certaine allégation qui comme quoi puis un développement dans les autres îles telles qu'ils Poivre et Cosmolido. Récemment, il y en a M. Pilet. Premièrement, il dit plusieurs choses. Premièrement, il dit il y en a un strip Astov il a construit par la compagnie qui s'appelle Menai. Je vous démentis ça, je vous dis faux et pas vrai. À cause de Estrie Pastor, il a été construit par IDC. Et deuxièmement, je ne connais pas la compagnie de construction qui s'appelle Menai. Et pour moi, c'est très simple, moi, un professionnel comme M. Pilet, il est capable de téléphoner moi, à cause d'un désaccord, moi, il a même dans mon bureau, il a tout mon contact. Là, il a besoin de nous, il connaît quoi pour venir, il est capable de nous, demande nous. Et dit nous, est-ce que ça y va, mon temps ça, est-ce que ça y va? Et nous avons dit, non, il n'est pas vrai. Donc, tu n'as pas nécessité pour faire une spéculation ou quelque chose qui est faux. Tu en as un point, et ça nous dit tout, les mon temps ça, moi, tu dis, mais ça n'est pas correct, à cause de ça, c'est un faux propagande. Deuxièmement, ils mettent un peu de doute dans l'idée du monde qu'il y en a quelque chose qui peut passer le Cosmolido avec Astor. Bon, je suis content, j'ai une visite à Sauve, j'ai même. J'ai une possibilité pour aux îles partout, question de tout le monde, cause de tout le monde. Et comme vous pouvez voir, je suis capable de voir même qui n'a pas rien à Sauve. À part qu'il est fait, nous occupons ces îles, il y a un travail qui peut marcher, il y a un CCLOI, il y a un bon militaire qui fait ce travail, il y a un peu staff indien là-bas, au côté construction. Et je crois que nous pouvons faire un bon travail à Sauve. Et in the same way that we nous pouvons faire ici à Assomption. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de Cosmo les deux à cause des temps, mais il faut espérer qu'avant la fin de l'année, on a gagné un petit sens pour amener les autres Cosmo les deux et d'avoir pour eux-mêmes. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une nécessité pour créer une spéculation ou créer un doute dans l'idée, dans les yeux publics, pour quelque chose qui n'a pas existé. Et troisièmement, il fait référence avec un code caisse, les îles Poivre. Tu lis un gisement et il n'y a pas grand-chose à faire. Ça est tout à fait faux. À cause de l'île Poivre, c'était un bail qui nous a donné un bout de la terre, un bail, un sud-africain qui s'appelle Leighton Coeur depuis 2003. Et il tient en lit 24 mois pour faire imposer l'hôtel. Il n'a pas fait lit. À la fin de sa période, nous avons donné une première extension. Il n'a pas fait lit. Il a gagné une deuxième extension. Il n'a pas fait. Et à la fin de sa deuxième extension, IDC, tu cancel son bail. Et nous cancel son bail à cause de nous voir que c'était un homme qui n'a pas aucune intention de faire l'hôtel. Il paye ses services à la terre pour vendre, pour lui remplir son poste. Donc nous cancel. Là, nous cancel après presque 7 ans, 8 ans. Il t'amène nous en cours. Nous gagnons nos caisses dans le Supreme Court. Nous gagnons. Il t'y fait un appel. Et là, il t'y fait un appel. Banzis dans l'appel court, tu trouvais comme quoi qu'il est bon avocat. Tu fais un livret technique et tu demandes nous remettre sa liste à jour, c'est-à-dire et regarder dans nos affaires. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous révalider sa liste et nous donner son bon temps qui s'est resté, qui est juste un peu moins. Et pour ça, nous pouvons regarder nos bonnes options légales et nous pouvons dire que probablement nous allons retourner à la cour. Il existe une répétition qui est passée. Et M. Pilet, encore, si tu as envie qu'on ait qui ça qui est passé, il s'est de votre col, nous, demande-nous. Et pas il se fait une bonne spéculation, l'eau imposée, particulièrement un étranger, qui tu peux essayer de faire façon, prendre nos îles pour un bénéfice et non pas pour faire un développement qui s'est de votre faire.
M. Savi dit que IDC a un plan pour faire les autres développements sur les îles éloignées. Nous avons un plan de développement 5 ans, un 5-year development plan qui nous fait sortir tous les 5 ans. Et dans ces 5 ans, dans ce development plan, nous touchons toutes les îles, nous avons tout le bon travail qui nous a fait pendant ces 5 ans. Et nous avons donc une copie de ce 5-year development plan et nous avons de chaque île, nous avons un peu de développement qui passait. Mais il peut dire que là, nous fait ce plan 5 ans, et exactement ça. À cause du capable qu'il en est prochain, il y en a quelque chose qui est développé, il y en a un mouvement dans quelque chose, donc nous adaptons nos plans. Donc tous les ans, nous faisons une petite révision, nos 5-year development plan, et là, nous assistons. Mais en principe, à cause de nous faire ce 5-year development plan, c'est simplement c'est que tout le monde dans l'office, tout le département, il connaît la façon dont vous organisez votre département, votre travail, votre staffing, etc., qui nous achieve that. Et nous passons, nous voir bon travail à l'Osile, nous voir plutôt bon étant ce qui peut travailler à l'Osile. Peut-être qui a dit si peut faire pourquoi ce que c'est là pour venir travailler à l'Osile. La question de l'emploi, c'est quoi l'Osile éloigné, il nous plie en défi, il nous plie en difficulté. Et il est très difficile aujourd'hui pour nous gagner staff c'est quoi pour venir travailler à l'Osile à cause d'une quantité d'emploi maillé. Pareil, je dis voir autre même la façon qui nous staff, il gagne accommodation à l'Osile, il confortable. Il correct, même tous les autres bandes de la Sambi et Kon, les autres gagnent manger pour rien, on a un staff cantine, etc. etc. Et malgré tous les efforts qu'ils nous font, nous avons encore des difficultés pour gagner staff. Et mon cas, dit, au bon salaire, aux îles, il bien s'y paye, bon salaire, l'omaye. Donc, mon pas dit, n'a pas de rien en plus qu'il nous capable de faire. Nous pouvons continuer à essayer, nous pouvons continuer avec nos bons incentives, nous continuons avec nos bons training programs, nous pousser intéresser un peu nos bons jeunes qui sont professionnels dans différents domaines, pousser join nous pour travailler un peu aux îles, même si part-time aux îles, part-time maé, mais je crois l'effet qui nous n'a pas assez travaillé, c'est celle nous pour de plus en plus nous pouvoir plus étendre aux bons îles éloignées, à cause nous simplement nous besoin faire marcher bons îles. À cause nous faire marcher bons îles, nous avons un foreign exchange et ça y rentre dans le pays et il a bénéficié celle. Qui se peut faire pour encourager c'est pour une visite bonnes îles. Une bonne contrainte et qui ticket avion c'est tout pour venir ici pour venir aux bonnes îles un petit peu cher. Qui a décidé de faire peut-être? Ok, en principe nous le presque tout bonnes îles présentons dans ça qu'on appelle un IDC guest house. Un IDC guest house c'est une facilité qui nous en qui nous met à la disposition ces îles pour les autres services qui coûtent pas grand quelque chose on ne peut débaisser. D'ailleurs, Silhouette avec des roches est bien populaire et ça, c'est principalement à cause du transport. Silhouette avec des roches est bien plus près que Maï qui est dans les îles éloignées. Et ben, les autres îles éloignées comme Alphonse, Farquhar, ici même Assomption, ici coûte plus cher et à cause de sa distance. Mais là, nous prenons une décision d'ici avec Board IDC qui nous vous fait prix pour des roches, exactement pareil prix pour Alphonse, pour Farquhar. Pour le Rémi, pour tout dans les autres îles. So, et ça, il peut commencer en septembre. So, nous pouvons réduire encore une fois le coût pour les gens qui visitent les bonnes îles éloignées. Et évidemment, je crois que même les voies, même le Rasto, partout, ça niveau accommodation qui nous donne les bonnes îles qui viennent visiter les bonnes îles. Et à cause de septembre, c'est à cause qu'il coïncide avec nos bonnes vols, nos bonnes flights, toutes les semaines qu'il y a aux îles, avec l'ouverture des programme touristique le Banzil éloigné. Donc, from about septembre jusqu'à la fin de mai, on a plusieurs flights par semaine le Banzil qui Zimouna capable vin participer. L'année financière IDC finit le 31 mars et après ça, IDC fait son rapport annuel basé sur la performance de l'accompagnement. D'après Chairman Board IDC, l'année passée, c'est l'année record pour ça l'accompagner, quand il fait un profit 53 millions de roupies. Et vraiment, depuis là, IDC a commencé, c'est le best. Qui nous a déjà fait un niveau profit. Et comment ça est arrivé que tout département, management, staff et puis board peut travailler ensemble en phase pour faire ce qui nous permet de faire une mission. L'objectif stratégique et aussi le projet qui nous permet de mettre en place. Nous avons des difficultés, mais en gros, nous travaillons très bien ensemble et voilà, nous avons un résultat financier. Il y a un gros projet, pareil, des roches qui nous aussi terminé l'année passée. Alors, tout à l'heure, il y a une idée pour faire ça
ça a chiffre profit. Et on voit ses compagnons intérêts satisfaits. Quelle est l'activité économique qui est capable de faire à l'ici, faire ça, ça va profiter ici, ça va donner 5 ans? Well, il y a un hôtel qui a mis en place, on mentionne des roches. Alphonse aussi commence go full capacité ou comme dit et plus tard nous espérons qu'il plate pour aussi venir réalité. Alors tout voilà, il y a additionnel parce que les tonnes l'hôtel l'osi les loignes on a aussi aircraft qui peut travailler ou peut gagner plus staff qui impliqué dans tout avant l'opération et au chiffre d'affaires il monte et mon besoin prise vision aussi bon passeport, I mean, nous body combien 27, 2 ans et demi là, hein, mais c'est un bon board avant, qui est pour avoir une décision stratégique concernant toi, avant l'investissement touristique. Et après, nous pouvons voir un résultat. Alors, il y en a un travail board avant, et puis il y en a un travail actuel board comme là, et puis, oui, et puis nous staff avec management, et tout ça, le monde, quoi, puis come into place. Mm. Et nous connaissons qui gouvernement, il y a un shareholder dans IDC, peut-être oui. Dans ce profit, qui dividende qui gouvernement. Oui, oui, parce que le gouvernement est full shareholder IDC, et tous les ans, il y a un certain année, nous pouvons payer des dividendes et normalement nous payons 3 millions ou plus de dividendes, mais si on ne fait qu'informer que nous gagnons un request pour 5 millions, c'est le board à considérer. Qui contribution CSR qui IDC fait et lesquels qui bénéficient? Normalement, tout le monde, par exemple, nous pouvons payer contribute towards un housing fund et qui et qui sont très creditable pour le gouvernement. Seulement, nous, à cause de nous, setup, le Banzi Lenoigné, nous, en association avec Island Conservation Society, et nous demandons une permission spéciale pour nos CSA envers ICS. Parce que dans presque tout Banzi, il y en a un bureau ICS, et this is part of our, I mean, the work that we do. We support what they do because they also feedback into our nos opérations. Ça pour qui vous êtes fait là, il y a un pourcentage qu'on avait staff. Oui, oui, 10% quand il y a le pour staff, il y a un scheme côté ça quand chez et bon staff et mon quoi il y a incentive si on fait cause le comme si nous pas gagne difficulté quand il travaille pour loger ça il vaut hein. Mais nous avons des incentives en place pour faire ce qui est chez loi. Ils considèrent une place de travail aux îles, aucun poste. Et ça, 10% qui gagne cher, c'est un bout d'incentive qui a vers le staff. Comme si pour encourager les autres pour rester avec nous, pour joindre nous. Et puis, si vous êtes un téléspectateur, nous advertisons le job.sc. Vous avez un bon poste qui est là, un bon très intéressant. Si vous êtes qualifié, s'il vous plaît, apply. Et puis, moi, bien content pour nous trip TV qui nous fait bien masse débris. Donc, nous avons des gens qui nous considèrent un carrière qui est ici. Et bon, félicite les autres. Et on demande plus de gens qui nous suivent les autres pas. Eh bien voilà, c'est ici l'Assomption que nous terminons le programme News Extra pour aujourd'hui. Merci pour suivre. Rendez-vous semaine prochaine pour le programme News Extra.